Bonsoir, bienvenue dans votre podcast 100% BAFA. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie d'animateur. Alors, pourquoi je l'ai fait? Comment je l'ai fait? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Alors, c'est parti! Premièrement, pour être animateur, il faut passer le BAFA. Je vous remets dans le contexte, nous sommes en 2016, je viens de rentrer d'Afrique, sans un sou, il faut que je reprenne mes études. Et donc, pour travailler, j'ai voulu travailler dans l'animation. Comme ça, je me suis dit déjà, j'ai un BAFA, j'ai un diplôme un petit peu près dans les questions d'éducation, donc ça peut être une aide. Et puis, ça peut toujours être bien, ça peut toujours être une expérience, ce qui a été une grande expérience, ça me permet toujours d'apprendre des choses. Et je le vois bien aujourd'hui, mon BAFA m'est très nécessaire, par exemple, pour mes missions de CPE. Bref, première étape, le BAFA donc. Alors l'équipe, pour la première partie, parce que le BAFA se fait en trois parties, c'est-à-dire qu'on a une première partie, un stage et une troisième partie. Ça se fait en trois mensualités. Donc, l'équipe que j'avais pour la première partie de mon BAFA, c'était la femme. C'était une femme compétente et travailleuse. Et surtout, on sentait qu'on était avec une professionnelle. On sentait que la nana, elle avait quand même bourlingué, qu'elle avait de l'expérience, qu'elle travaillait et tout et tout. Donc, voilà. C'est très important comme sensation. Le gars, bon, bah, c'était le cliché de l'animateur. Bon pote, sympa et tout. Il y avait une troisième personne avec eux qui était en stage à l'époque. J'étais pas au courant, un peu spécial. C'est vrai qu'elle était un peu spéciale en tant que femme, mais ça va. Pour la partie 2, bah, c'était une bande de potes. Hein. Le cliché de l'animateur gaucho, sympa. En gros, les mecs, on les voyait, on a envie de dire, petit pétard, hein, un petit spliff, hein, on se fait un petit roulé. Voilà, hein, c'est un peu le cliché de l'animateur. Hein. T'as des clichés sur les animateurs? Bah voilà, voilà à peu près. Donc, deuxièmement, les activités. Alors, je vais déjà faire un petit historique du BAFA avant. Hein. Je reste un historien. Alors, c'est à partir de 17 ans que tu peux le faire. Déjà, il y a une genèse de ce diplôme avant-guerre, mais c'est en 1972 qu'il y a eu la création du BAFA. Le but, c'est la sécurité des personnes qu'on surveille, l'accueil et faire des projets éducatifs, encadrés, animés, accompagnés. Tout un taf sur la connaissance des publics, utile pour ma vie de CPE et sur faire une activité. Alors oui, j'ai dû finir un peu rêche ma précédente prise parce que ma femme arrivait, donc ça aide pas. Donc, qu'est-ce qu'une activité? Alors, une activité, c'est ce qu'on fait en animation, c'est-à-dire, par exemple, animer une partie de Trivial Pursuit, c'est une activité. Faire une marelle, c'est une activité. Faire un 1, 2, 3 soleil, c'est une activité. Et donc, apprendre à faire une activité, c'est important parce que ça permet de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour préparer ton activité, qu'est-ce que tu dois faire pendant l'activité et qu'est-ce que tu dois faire après parce que tu as toujours une phase de débriefing. Donc, partie 2 de ma formation, et j'ai mon ordinateur qui est en train de planter, hein, parce que j'ai mon script et puis je fais scroller. En plus, la lumière de l'ordinateur éclaire ma tronche de cake. Donc, spécialisé en périscolaire, deuxième partie. Bon, rien de neuf, hein, niveau apprentissage ou de marquant. Je ne me souviens même pas de mon approfondissement, on appelle ça un approfondissement. Tu vois tellement ça m'a bien marqué. Hein. Donc, on a fait un retour sur le stage. Vraiment, on a fait vraiment un retour sur le stage, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je vous en parlerai un peu après. Donc les enfants, dans les deux cas, comme par hasard, il y a un centre de loisirs qui amène ses gosses pour qu'on se fasse les mains dessus. Ce qui est plutôt intéressant, parce que ça permet d'avoir vraiment de la pratique dans la théorie. Donc les points forts de la partie 1. Alors là déjà, c'est le calva théorique, hein. J'ai vraiment tout gardé et actuellement ça m'est très utile. Je peux toujours relire ça, on a appris des choses. C'est pas le cas de toutes les formations qu'on te vend, des formations exceptionnelles qui vont te permettre de devenir un putain de travailleur. Non, là, tu apprends vraiment des choses. Tu ressors vraiment quelque chose. Hein. C'est pas une formation au tiède. Hein. Malheureusement, j'ai connu ça à la fac où j'ai eu des formations sur certaines thématiques au tiède. Hein. Rien de neuf sous le soleil. Pour la partie 2, c'était sympa, mais bon, j'ai pas trop de souvenirs non plus. Hein. Donc, les points faibles de ma formation. On continue notre plan. Partie 1. Putain, chanter la souris verte devant les autres. Merde. On devait chanter une chanson d'enfant pour les enfants. Putain, j'ai chanté la souris verte devant 25 personnes. Chanter la souris verte, t'as vu ma gueule? Donc, c'est une catastrophe. Donc, ouais, ça, c'était vraiment le point faible. Puis, le monde des bisounours. C'est vrai que l'énorme problème des formations dans l'éducation, dans les enfants aujourd'hui, c'est le monde des bisounours. Faut pas choquer l'enfant, faut pas le traumatiser, faut pas lui parler dessus trop fort, faut pas avoir de l'autorité. Faut être dans la discussion et le dialogue. Enfin, cette merdasse
qui nous donne des horreurs comme on vit aujourd'hui, des actes d'hyper-violence dans l'école parce qu'il n'y a personne pour poser ses couilles et dire non. Ça donne des enfants rois, des enfants pourris gâtés. Des fois, faut pouvoir dire au petit Jordan, tu casses les pieds, tu te calmes, et maintenant t'arrêtes tes conneries, tu vas être puni, et tu vas vraiment en chier pour que te retenir bien la leçon dans ta petite tête. Donc dans la partie 2, le gros point faible, ça a été la difficulté de mixer mes aspirations. Parce que moi, ce que j'ai toujours eu cette idée, c'est de vouloir mélanger un petit peu animation et enseignement. Quand j'ai expliqué ça à mes formateurs, ils m'ont regardé en mode hein? Donc voilà, ça a été vraiment le gros point faible. C'est en mode mimi. Donc on va continuer. Alors là maintenant qu'on a passé la partie dite théorique, on va parler un petit peu de mon expérience sur le terrain. Et là, il y a eu mon premier séjour en août 2016. À l'époque, j'ai encore 23 ans. J'ai encore espoir de me réintégrer en France. Et je porte plutôt la fleur au fusil, prêt à valider mon stage. Espérer gagner ma moulaka pour pouvoir m'inscrire à la fac pour mon bac. Et puis, voilà, faire mon chemin. Donc, l'équipe. Le chef, on a deux gars sympas, mais ils étaient à bout, les mecs. Honnêtement, les deux chefs, parce que moi, je suis arrivé en août. Donc, ils avaient déjà un mois de séjour dans les pattes. Ils étaient déjà usés. Les animateurs, on a tout. Hein. On a du jeune gauchiste, idéaliste. Ah, les enfants, c'est mes amis. Ah, woke, tolérance. Ah oui, mais c'est pas de sa faute s'il est casse-couille. Il a des raisons et tout. On a des soûlards, hein, des mecs, dès que la fin de la journée, les gosses sont partis dormir, bah, églou, 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 ils consomment plus qu'une américaine dans les années 60. Des queutards, ça a baisé. Ça a baisé dans mon premier séjour. Ah, je peux vous dire, on était dans un centre entouré d'un bois. Ah, je peux te dire que si les arbres avaient pu parler, ils auraient pu raconter des anecdotes. Hein. Je pense qu'il y a eu des levrettes pas piquées des hannetons, comme on dit. Bon, votre humble serviteur, lui, il a touché que dalle, hein. Nakache. Hein. Ah, même pas un bout de sein, rien. Hein. Que dalle. Hein. Parce que déjà, moi, j'étais pas dans le délire. Et puis, il y a toujours ma moralité. Hein. Moi, je suis pas un quintou. Hein. Moi, j'ai toujours cette idée que le rapport sexuel a une valeur. Ce qui m'a posé énormément de problèmes, mais bon, c'est pas grave. On a aussi des cassos, hein, des mecs qui sont là. Ah, ils sont idéaux pour s'occuper des gamins un peu cassos parce qu'eux-mêmes sont des cassos. Bref, un bon mélange. Les meufs étaient bonnes. Ah, il y avait des animatrices. Aïe, 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 aïe. Ah, je pense que le petit Jonathan, 13 ans, il a eu son support de branlette pour les 15 jours, tu vois. Là, sous la douche, ah, il a dû penser aux animatrices, ça a dû être un truc de dingue. Alors les activités, c'était un centre, donc les activités étaient faites par un spécialiste. C'est-à-dire on avait des activités cirque, des spécialistes du cirque, on faisait des activités moto, il y avait des mecs qui faisaient de la moto, il y avait des activités vélo, les mecs qui leur faisaient faire du vélo, il y avait des activités kayak, ils leur faisaient faire du kayak. Donc on les dépose et de temps en temps on faisait des soirées, des jeux ou des marches. Je me rappelle, troisième jour, une marche d'une dizaine de kilomètres, c'était horrible. Mais autrement, ouais, on a fait des soirées. J'ai fait une soirée casino, je me suis déguisé en Patrick Sébastien, j'ai mis une veste, une perruque, puis là j'étais là en mode c'est génial! J'ai fait mon imitation, quoi, Patrick Sébastien low cost. Ah ouais, Ah, je peux te dire que la soirée casino, j'étais à la roulette, hein. Je peux te dire que de temps en temps je soulevais la table, il y en a certains. À un moment, tu vois, je voyais que là, les jetons que je devais distribuer, je commençais à en manquer. Donc j'ai décidé un peu de baiser le game et j'ai complètement pipé le jeu. Hein. Ah, les gamins étaient dégoûtés. Donc, les enfants. La majorité étaient des gosses placés, donc des situations très difficiles d'un point de vue familial, d'un point de vue psychologique, puis au niveau des comportements, il y a eu des attouchements, des gamins qui étaient tripotés, gamine qui a été tripotée, qui était complètement traumatisée par ça, des violences, des fugues. Ah ouais, une fugue. On a un gamin qui s'est barré à 3 h du matin, il le retrouve en ville. Et les autres surveillent, et puis l'autre, elle ramène sa gueule. Ah bah je pensais, ah je sentais bien qu'il allait se barrer. Le chef l'a regardé, il lui a fait, pourquoi t'as rien dit, connasse? Ça a été quelque chose. Donc, ouais, la fugue. Une vraie fugue. Là, c'était problématique. Puis, ils n'ont pas voulu le mettre dehors. Ouais, mais si on le met dehors, on le conforte dans son idée. Moi, j'ai dit à un moment, le gamin, il se barre, il arrive un souci. Au-delà de la responsabilité juridique, c'est notre responsabilité morale. On ne m'a pas écouté, il a essayé de se barrer une deuxième fois. Et là, on l'a mis dehors. Ah. Mon premier dîner. J'arrive, tout. Hein. J'ai déjà 6 heures de covoyage dans les pattes. Hein. J'arrive, là, je dois gérer un gamin. Petite merde, mal élevée, irrespectueuse, j'ai eu envie, mais de lui mettre ma main dans la gueule. Mais je me suis retenu. Donc, ouais. Alors, les points forts, c'était l'espace. Hein. C'était vraiment joli, on était dans les bois, les activités déjà, étaient déjà faites, la piscine, la bouffe. Ouais, on avait des cuisiniers, on bouffait bien, waouh, on bouffait bien.
problème, c'est qu'on ne pouvait pas beaucoup, parce qu'un adolescent, ça bouffe. Et le cadre naturel. Les points faibles, ça a été mon impossibilité à m'intégrer. J'étais pas dans le délire. Tu vois, j'étais avec des gamins de 20 ans, j'avais déjà plus de 25 ans. Puis même ma moralité, le fait que, voilà, moi, je me vois mal fumer des pétards et picoler, et après devoir gérer les gamins, parce qu'après, le lendemain, faut assurer. Baiser à gauche, à droite, c'est pas vraiment mon idée. Oh, puis leur jeu à la con. Non, moi, je serais peut-être plus dans la discussion, le dialogue, on fait des sorties, on fait des trucs sympas, mais voilà. Pas de réseau, mais vraiment pas de réseau de téléphone. C'est-à-dire que les téléphones ne passaient pas. Tu fais une activité avec un gamin, il y a un souci, ton téléphone ne passe pas, tu es obligé d'aller courir pour aller appeler sur un téléphone fixe. Ce qui, au niveau de l'urgence, c'est une catastrophe. On était dans une zone blanche. Aucune préparation, mais vraiment aucune préparation. Je ne savais pas comment était foutu le centre. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. On m'a lâché là, bonne chance. On m'a laissé gérer un covoyage. On m'a expliqué vite fait comment je fais, allez hop, démerde-toi. Bon, j'étais fier, j'étais arrivé à gérer, mais putain, aucune préparation. Aucune préparation, ça a été vraiment très problématique. Donc ouais, c'était bof, j'ai vraiment pas apprécié ce premier voyage parce qu'il n'y a pas le cadre. Il n'y a pas le cadre, c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus, que je ne voulais plus vivre dans ma vie professionnelle. Pas de bol, je l'ai vécu quand j'étais CPE, c'est-à-dire d'être sous-formé, sous-préparé et qu'on te lâche à démission. On me l'avait fait quand j'étais agent de sécurité, on m'a lâché dans un Intersport alors que j'avais jamais travaillé en tant qu'agent de sécurité. On me l'a fait quand j'étais enseignant parce que je n'avais pas les programmes. Et là, on me le refait en tant qu'animateur. On me l'a refait en tant que CPE. J'aime bien m'enculer, tu vois. J'aime bien accepter des trucs. J'aurais pas jamais dû accepter d'être CPE, mais bon, ça c'est un autre débat. Ah, animateur à Dijon. Ça, c'est la principale activité que j'ai fait en tant qu'animateur. Alors, quand on t'embauche, quand tu es animateur dans le périscolaire, tu es embauché par la mairie, on t'embauche, tu as deux cas. Soit tu es affecté à une école, tu y vas, ou tu es bouche-trou. Hein? C'est-à-dire que t'es pas affecté à une école, mais on te dit, ah putain, il y a un absent à Montmusard, tu vas à Montmusard. Ah, il y a un absent à Grésy, tu vas au Grésy. Ah, il y a un absent à Toison d'Or, tu vas à Toison d'Or. Et il y a l'option 3. Alors, c'est que tu es affecté à un endroit, quelques jours dans la semaine. Moi, par exemple, j'ai été affecté le mardi et le vendredi en première année. Enfin, jusqu'à qu'il y ait une nana qui connaissait des gens de la mairie, qui a chopé mon affectation. C'est-à-dire que j'étais affecté le mardi, et le lundi et le vendredi, j'étais à peu près appelé selon les besoins. Et ça, c'est très difficile parce que tu es appelé à 10h30 et à 11h30, tu dois y être dans une école que tu ne connais pas, avec des gamins que tu ne connais pas, avec une façon de travailler que tu ne connais pas. Et c'est un peu la merde. C'est même très difficile à faire et à travailler. Oui, je tourne la tête parce que voilà, ma femme travaille, ma fille peut rentrer à n'importe quel moment, je tourne un peu. C'est pour ça que je n'ai qu'une veste, hein. Je suis torse poil, j'ai mis ma veste, j'allume ma caméra. Donc, l'équipe. Alors, dans l'école où j'étais au Grésy, parce que j'ai travaillé au Grésy, hein, dans mon quartier, vraiment le chef, c'est le meilleur. Sympa, qui te met en confiance, qui t'aide, qui croit en toi, qui connaît ta valeur, qui sait te mettre bien. Les autres animateurs, c'était des mecs qui étaient comme moi à la fac, parce que quand j'ai commencé. En tant qu'animateur, j'étais en DAE, mais j'étais déjà à l'université parce que c'est un bac universitaire. Des mecs sympas, il n'y a pas eu vraiment de soucis. Alors, dans ma deuxième affectation, j'étais en maternelle. Là, j'ai été dans une école maternelle. Putain, j'étais avec des meufs, mais des vieilles mégères, frustrées et méchantes. Un homme ne peut pas s'occuper des petits. Des vieilles, mais mal baisées, agréables, comme un toucher rectal fait par Wolverine. Horrible. Horrible, j'ai détesté cette expérience. J'ai détesté, ça a été horrible. Et quand j'ai eu mon emploi du temps, on m'a foutu dehors. Moi j'ai dit, bon, là pendant 15 jours, je peux être full time, mais après je vais avoir des TD, donc il va falloir adapter mon emploi du temps. Oui, j'ai eu mon emploi du temps, on m'a fait sauter mon affectation. Bref, j'ai été remplacé. Devine quoi. Donc tu as moi, professionnel, formé, avec une expérience, tout propre sur lui-même. J'ai été remplacé par une junkie kawaii! Une jeune qui, la meuf, avant de s'occuper des maternelles, je la voyais à l'arrêt de bus du tram fumer un gros pilon sa mère. Et puis kawaii, hein, avec des mini-jupes, des barésillés, tout droit sorti d'un manga, avec une tenue pas du tout adaptée, hein, parce que quand tu travailles, tu dois avoir une tenue décente. Tu t'habilles pas pareil quand tu vas au Macumba que quand tu vas travailler. Alors oui, on va me dire, ah ouais, mais nous on est des féministes, notre corps, notre choix. Ta gueule. Ta gueule. À un moment, arrête tes conneries. Tu dois avoir une tenue décente. Tu peux porter les tenues que tu veux pour le loisir, mais le travail impose une tenue, surtout quand tu travailles vers les enfants, parce qu'il y a un code vestimentaire, parce que voilà, puis tu dois faire gaffe aussi, certains parents, ça gêne que la tenue que tu peux avoir, l'attitude.
Voilà, et quand je parle de tenue, je parle aussi d'attitude, qui peut être mal vue par les parents, parce que les parents te confient leur enfant. Et leur enfant, c'est ce qui est la chose la plus précieuse. Donc tu dois très faire très attention à ton attitude. Très, très, très attention. Parce que ton attitude, c'est la confiance de tes parents. Si d'un coup t'as une attitude de merde, les parents ils vont comme ça jusqu'à 17h, jusqu'à qu'ils récupèrent leur gosse. Et ça, c'est pas bon. Alors, j'ai été dans une école à Billardon, notamment. Alors, le chef est sympa, mais il a perdu ses couilles entre-temps. Ah, il avait du courage, des idées, puis je pense qu'ils lui ont fait comprendre qu'il avait trop d'autorité, qu'il devait se soumettre et calmer, parce que bon, le chef de secteur était une petite salope. On peut le dire maintenant, hein. Le mec a jamais été vraiment trop animateur, c'était plutôt un susboule des bureaux. Donc ouais, il a perdu ses couilles. L'équipe était homogène et sympathique. J'étais dans une école qu'on appelle l'usine à enfants, avec des effectifs de dingue et des infrastructures qui ne sont pas adaptées. J'avais un chef qui était sympa, une équipe random, animateur cliché et tout, voilà. Mais l'équipe était vraiment sympa, mais voilà, c'était random quoi. C'était des randoms, hein. C'était ni plus ni moins des PNJ, hein. Alors t'as l'animatrice, rebeu un petit peu sympa, check. T'as le mec qui fait du sport, qui est musclé, qui soulève des meufs, check. T'as la meuf, la fashionista, check. Enfin voilà, t'as des clichés, c'est des PNJ, voilà. Ah, l'école pourrie. Ça, c'est notre école où j'étais dans la ville de Dijon. Alors, la chef était une connasse malhonnête. En effet, elle arrive, elle me dit, Kevin, tu as trop d'autorité avec les enfants. Pas de souci, je baisse mon autorité. Je peux comprendre. Kevin, tu n'as pas assez d'autorité avec les enfants. Elle m'a convoqué avec la chef de secteur. La chef de secteur. Je m'en suis sorti en faisant une analyse sociologique et en sortant tout mon savoir. Et c'est la chef qui a fini par se faire engueuler. Et ouais. Moi, t'essayes de me baiser, je te viole. Il y en a une qui nous reprenait devant les enfants, donc ça casse l'autorité, qui était méchante, qui foutait la merde, qui balançait des fake news, enfin une véritable emmerdeuse, et surtout, là, on sent aussi une mal baisée, une personne très désagréable. Et j'avais deux rebeux des terres aussi qui étaient bien avec moi, et donc on travaillait très bien. Le reste était sympa. Au niveau des activités, là, je vais pas détailler pour les écoles par école, mais voilà. Ben déjà, c'est la difficile pacification du foot, hein, parce que les gamins sont hyper violents. Hein. Ils peuvent pas concevoir de jouer, de prendre du plaisir. Non, c'est compétition, c'est... Enfin, après, c'est l'individualisme qu'on met en exergue dans nos pays. C'est pour ça que c'est difficile à pacifier. Il y a le basket, il y a les jeux d'extérieur, cerceau, marelle, le 1, 2, 3, soleil, les jeux d'intérieur, c'est-à-dire des jeux de société... Oh, je me rappelle dans un Uno, j'ai humilié un gamin, il lui restait 4 cartes. Hein. Moi, il m'en restait une vingtaine. Hein. Ah, je lui ai calé des plus 4, des plus 2, des inversions de sens, je l'ai violé sous le dunk. Hein. Ah, je l'ai humilié. Puis le gymnase, ça c'est quand l'hiver il faisait un petit peu froid. On mettait les enfants dans un gymnase et on faisait des jeux de gymnastique, un peu sur les tapis et tout ça. Ah, j'ai remarqué qu'il fallait que je me tienne un peu plus droit. Donc, les enfants que je me suis occupé, bah, des gosses de banlieue déjà. Donc, ça indique vraiment des difficultés. Sachant que les Grésilles étant le quartier le plus pauvre de Dijon, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Bon, tu fais quoi là? Tu rentres, tu sors? Prendre décision. On a du gosse immigré, c'est-à-dire des enfants qui ont des graves difficultés à soit s'exprimer en français, soit c'est les parents qui ont des difficultés à s'exprimer en français. Des gosses de banlieue, comme j'ai dit, donc très difficiles à gérer. Parce qu'il y a quand même toute une violence, puis le rôle du grand frère, hein. Des handicapés. On n'a aucun cadre pour les accompagner, hein. Qu'une formation. Ah, lui, il est autiste. Vous pouvez vous en occuper pendant la pause déjeuner. J'avais un gamin, il ne pouvait pas manger de nourriture solide parce qu'il avait une malformation du système digestif et un lourd handicap mental. On me l'a mis, il a fallu que je gère. Pas facile. De la petite racaille qui va sûrement faire de la future délinquance, hein. Des gamins qui n'ont aucun cadre, aucune règle. Et donc, arriver à un moment, ça va être très dangereux pour eux, puis ils vont tomber dans la petite délinquance parce que le système scolaire est inadapté, on n'a aucune solution à leur proposer. Donc la seule solution, ça va être de vendre du shit avec leur grand frère et de finir en tôle. Malheureusement. Des petites pétasses hypersexualisées par des mères bridées. J'ai une gamine qui était en CM2 qui portait des strings. Une gamine de 9-10 ans qui portait des strings. Comment je le sais? L'autre, elle faisait la roulade en jupe pour bien montrer son string à tout le monde. Il a fallu faire un signalement, mais tout. Mais souvent, c'est la mère qui a été bridée, la mère à qui on a refusé cela et qui fait ça avec son enfant.
Donc ouais, des petites pétasses hyper sexualisées, des comportements hyper sexualisés, qui ont été en contact avec de la pornographie notamment, ce qui est très inquiétant. Et tu te dis, qu'est-ce que font les parents? J'ai eu des gamins adorables, dont je garderai des souvenirs toute ma carrière, toute ma vie. Les CM2 sont vraiment des chiasses, parce que c'est les grands, ils commencent à... Puis ils en profitent, hein, parce que l'an prochain, ils vont se faire pisser dessus par les troisièmes. Et les maternelles, c'est génial. Un gosse de 4 ans, c'est un mec bourré. Ça tient mal debout, ça peut fuir, ça s'émerveille pour tout, il n'y a rien. Ça cause, c'est pas construit. Hein. Il n'y a pas de fil. Hein. Un gamin de 4 ans ne peut pas faire un raisonnement. Hein. Ça fait des vagues et tout. Il se fait des copains en 5 minutes. Il y a certains gosses qui sont chiants, d'autres qui sont violents et d'autres qui sont rigolos. Comme un mec bourré. Il y a des chiants, des violents, des rigolos. Puis, y a rien. J'ai un gamin, hein, il a vomi au pied du toboggan. Ah, le riz était mal passé, il a dégueulé au pied du toboggan. Il y avait tous ses potes qui se sont mis autour de lui qui ont fait « Oh, tu vomis !» Là, tu fais « Ouais !» Donc ça a été un grand moment, c'était un moment très drôle et très fun. Donc maintenant, on va voir un peu les points forts. Alors, pour l'école des Grésilles, c'était les infrastructures quand même. On avait un putain de gymnase, on avait quand même des salles pour faire des activités et tout. Le chef, je ne le répéterai jamais assez. Maternelle aussi, on avait des bonnes infrastructures. Quand je dis infrastructure, je dis espace. Après, niveau entretien, bon, ça a toujours été la merde, hein, pour obtenir du matériel. Tu fais des demandes, ça traîne en longueur. L'école de billardon, on avait une bonne cour et une bonne cantine avec de la place. L'usine à enfants, on n'avait rien. Mais vraiment rien pour la sauver. Elle a été mal faite dès le départ. Ça a été une branlette d'architecte. Ça n'a jamais été pensé comme une école. C'est dangereux. Je n'aimais pas travailler dedans et je me mettais en danger. Il n'y avait rien qui n'allait dans cette école. Il n'y avait aucune logique, aucun pragmatisme. Juste se dire, qu'est-ce que l'État a foutu du pognon dans cette merde-là? Il faudrait raser et reconstruire. L'école pourrie, ben, il y avait quand même la cour qui était très grande et la cantine. Donc, maintenant on va passer au point faible. Alors, déjà pour l'école des Grésilles, c'était les querelles avec le chef de secteur. Parce que le chef de secteur était une petite merde qui ingérait dans nos affaires et qui. Tu manges pas tout le pain, hein? Donc, oui, les querelles avec le chef de secteur, parce que le mec était petite merde, carriériste, procédurier, et il nous faisait des coups dans le dos, il n'était pas honnête, il n'était pas franc. Les faibles moyens, parce que c'est là le problème, c'est que quand l'école des Grésilles demande des trucs, bah, la mairie de Dijon traînait en longueur pour nous les obtenir. Je me rappelle ces histoires de ballons. Donc, le chef de secteur n'était pas franc, n'était pas un animateur, ça aussi, c'est un autre point faible. La maternelle, c'était l'attitude du personnel. L'école de billardon, c'était la perte de couilles et d'autorité. C'est qu'à un moment, on s'est demandé si. Moi, je me suis demandé si le mec n'avait pas simplement lâché la barre parce que les parents lui mettaient des coups de pression. L'usine, enfin, elle était trop grosse et mal foutue. Et l'école pourrie, j'ai subi de l'harcèlement moral et un manque de logique. Hein. On m'a critiqué pour certaines choses. Donc, j'ai fait l'inverse. Et puis, on m'a critiqué parce que j'avais fait l'inverse de ce que. C'est parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Bref. Alors, le séjour adapté. En effet, parce que j'ai arrêté ma carrière d'animateur en 2018. Mon dernier travail en tant qu'animateur était dans les écoles à Dijon. Mais la décision d'arrêter est venue à l'été 2017, l'été où je suis rentré en licence 1. Je rentre en licence 1 en septembre. J'étais en séjour adapté. C'est-à-dire, tu t'occupes de personnes handicapées, d'adultes. Alors, l'équipe. On avait un chef, un rebeu, sympa, un peu poète, fumeur de shit, qui a subi du racisme. Alors, tu es dans une structure qui travaille avec des handicapés, donc tu es tolérante. L'Algérien qui te sert de chef de service, tu lui laisses pas la carte bleue. Tu lui envoies des Western Union toutes les semaines pour qu'il ait le pognon. Tu es woke et tolérant avec les handicapés, mais l'arabe de service, la carte bleue, wallah nadal. Bref. Son ex, qui était l'infirmière, avec son tempérament, sa meilleure copine, qui a décidé de faire une IVG en plein milieu. C'est-à-dire qu'elle a appris qu'elle était enceinte au milieu du séjour, pouf, elle a fait une IVG, tac. Hein. Passé comme une lettre à la poste. Ouais, elle a fait une IVG, on était parti 3 semaines, elle avait encore le temps, je pense. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai pas les délais en tête, mais bon. Hein? Quand même. Et le pote du chef, qui était bien sympa et travailleur. Alors, au niveau des activités, c'était un petit peu le bordel parce qu'il n'y avait pas une organisation carrée. Il a essayé plusieurs types d'organisation, le chef de service, selon les semaines. Donc, c'était un petit peu le bordel, mais on a quand même fait des visites, des randonnées, des jeux, des soirées. On a fait des soirées, on a fait des booms, on a mis la musique, on a dansé pendant des heures. Les mecs, ils étaient contents, quoi.
C'était des moments. On leur a offert des choses. Alors, les handicapés, on avait des adultes, on avait du trisomique, de l'autiste, du retard mental. Il y avait une autonomie qui était fluctuante. On s'est vraiment fait baiser sous l'autonomie parce que moi, j'avais demandé de partir. Je veux bien partir avec des handicapés, mais n'étant pas formé, je veux être des handicapés avec des handicaps faibles, avec un gros taux d'autonomie. Que bon, voilà. Et on est tombé sur René Claude, 65 ans, trisomie 21, encoprétique. C'est-à-dire encoprétique, c'est incontinent mais du cul. C'est-à-dire que le mec se chie dessus, il s'en rend pas compte. Hein. Son sphincter, il est aussi solide que l'idéologie de Manuel Valls. Tu vois, c'est mou. Il a du mal à se mouvoir, il a vraiment du mal à bouger. Et on nous a foutu dans un bâtiment avec des escaliers. C'est-à-dire qu'on nous a foutu avec des handicapés, loin de tout. Hein. C'est-à-dire que la ville était à 20 minutes dans des routes montagneuses. On n'avait qu'un véhicule parce qu'il nous manquait une personne pour avoir deux véhicules. Je crois qu'à partir de 18, on a deux véhicules, on était 17. Donc ça veut dire que quand on faisait une sortie, il fallait qu'on fasse sortir le premier groupe. 20 minutes, qu'on revienne, 40 minutes, qu'on ramène. Boum, déjà 1 heure de bouffée. Bref, il avait du mal à se mouvoir. Et il y a la petite anecdote, un jour il a eu la chiasse. Il a eu la chiasse. Et là, ça a été explosif. Il a commencé déjà, bon, il a chié un premier coup et tout. Et deuxième coup, troisième coup. Le problème, c'est qu'à un moment, on commence à plus avoir de lingettes, on commence à plus avoir de couches. Le restaurant, on a envoyé le pauvre René Claude chier quand même, parce qu'on l'a pas fait chier dehors. On avait la chance d'avoir un restaurant à côté. Plus de PQ. Donc, je suis obligé limite de lui laver le cul avec une bouteille d'eau, puis de l'eau, hein. Puis pas de savon dans les chiottes. Pas de savon dans les chiottes, donc tu sais, puis à un moment, à force de manipuler son cul et tout ça, je me lave les mains, mais bon, voilà. Et donc, on le ramène à la maison pour le soigner. Puis moi, je continue l'activité, on va visiter un jardin de fleurs. Et je remarque que j'ai de la merde au bout des ongles. Voilà! Donc, ouais, il a eu la chasse. Et attends, c'est pas fini. Le soir, je lui fais prendre sa douche parce que le mec peut pas prendre sa douche lui-même. J'ai dû laver un mec alors que j'étais pas formé pour ça. Bref, à un moment, il a chié dans la douche, il m'a fait mais le creepy. Donc j'ai dû asseoir le pauvre René Claude qui s'est chié dessus. Je l'ai assis parce que comme il avait du mal à s'asseoir, j'ai été chercher les produits ménagers pour nettoyer la douche, finir mon nettoyage la douche et après nettoyer le René Claude. Puis l'autre qui était tout désolé, je le regarde, je lui fais oh c'est pas grand René Claude, hein, tu sais au bout de là, ça fait 15 fois que tu chies aujourd'hui, je suis plus à ça près. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc oui, en parlant de faire du bien, ça a été des sensations fortes. Ça, c'est vraiment le point fort. Ça a été des sensations fortes parce que te dire que ces mecs, quand ils sont en institution, on leur accorde quoi? 5, 10 minutes par jour pour la toilette, pour s'occuper un peu d'eux. Là, nous, on avait le temps. On a eu le temps de les voir, le temps de les laver, de prendre 20 minutes, de dire, bon, attends, on y va à ton rythme, on y va doucement, on s'amuse, ah, je m'amuse avec toi, je m'amuse avec le jet d'eau, tiens, je m'occupe de te nettoyer, de te traiter avec humanité, de te laisser le temps. Et ça a été fort comme sensation parce qu'on a vécu des moments d'échange avec les handicapés qui ont été parmi les moments les plus forts que j'ai vécu dans ma vie. Ça a été formateur en tant qu'homme et en tant que professionnel. Après, les points faibles, ça a été l'organisation. C'est vrai que changer, switcher les modes d'organisation entre les semaines, ça n'a pas été cool. Le covoyage, c'est-à-dire que j'étais responsable des valises. Ils ont paumé mes valises. C'est-à-dire que moi, j'habitais non loin de Chalon-sur-Saône, ils m'ont quand même envoyé à Lyon. C'est-à-dire qu'ils m'ont payé le train, l'hôtel, pour que j'aille à Lyon récupérer les gars. Alors qu'ils m'auraient mis directement à Chalon-sur-Saône, j'aurais été venu par mes propres moyens, ils auraient économisé le train et l'hôtel. Ils ont paumé mes valises. Ils m'ont dit que c'était de ma faute, que je n'avais pas suivi la procédure. Procédure qui a été changée au retour. Comme par hasard. J'aime bien me faire enculer comme ça. La formation, qu'ils n'ont pas fini. C'est-à-dire, j'ai commencé une formation, je n'ai jamais été convoqué pour faire la dernière partie parce que je voulais avoir un diplôme. Parce qu'à l'époque, j'étais là en mode, ouais, je vais avoir des diplômes, ça va m'aider en Afrique. Alors que non, je me suis pointé, je vais être professeur d'histoire, tu seras CPE et puis tu seras le blanc de service. Bref, le shit et l'alcool, c'est vrai que. On a fumé, on a bu. Enfin, moi, j'ai pas fumé, mais j'ai picolé. Hein. Je dois t'avouer que le soir, quand t'as lavé trois queues une queue de trisomique, une queue d'autiste, c'est vrai que le soir, un petit shot d'alcool pour oublier ça, c'est bien. On était baisés sur les autonomies. Vraiment, on était baisés. C'est-à-dire qu'on a demandé pas beaucoup d'autonomie et on nous a mis un peu tout et n'importe quoi pour faire le nombre. Il n'y a pas eu réel de communication, pas de moyens.
On nous a amené une caisse, elle était quasiment vide, on a dû acheter du matériel ou se démerder avec le matériel de bord. Mais une caisse, on n'avait rien, quoi. On avait fait la liste avant de partir parce qu'on avait fait un petit truc avant, une petite formation avant. Et... Bah, il n'y a rien eu! Il n'y avait rien dans la caisse, je suis désolé de le dire. Il n'y avait pas le matériel pour faire travail, on n'avait pas de véhicule, on n'avait pas de carte bleue, donc si on voulait faire une sortie, c'était la merde. Il fallait qu'on calcule par rapport à l'envoi de Western Union, nous demander à la base de nous envoyer du fric. Putain, mais à un moment, les mecs, je veux bien qu'il y ait des clichés sur les Arabes, mais arrêtez d'être con, quoi. Donc, pas de moyens, et ça m'a dégoûté de l'animation, et quand j'ai compris que je pouvais toucher le RSA. J'ai démissionné de mes postes d'animateur et ça a arrêté ma carrière d'animateur parce qu'à un moment j'en ai marre qu'on me fasse des belles leçons de morale, des belles gna gna gna, les enfants, le développement de l'enfant et qu'à la fin on ne donne pas les moyens. C'est pour ça que j'ai arrêté le métier d'animation, c'est que t'as pas les moyens. Ça m'a dégoûté. Donc j'ai été aussi formateur BAFA. En effet, dès que tu as ton BAFA, tu peux être formateur. Il n'y a pas d'histoire, comment dire, d'expérience. Donc l'équipe, bah, la chef, c'était celle qui m'avait donné la première partie, donc là, très professionnelle, qui m'avait dit, ah, tu veux être formateur? Bah, tiens, cherche un gars, allez, viens. Et un mec compétent, expérimenté, on a vraiment pu travailler. Donc, les activités, c'est la même chose que le BAFA, sauf que là, c'était moi, j'avais mes propres activités. Donc, il a fallu que je prépare moi-même les activités de formateur. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de retrouver de l'enseignement. Hein. C'est vraiment la dernière fois que j'ai été formateur, hein, si on accepte la formation des délégués dans mes missions de CPE. Alors, les enfants de 17 à 20 ans, plein de volonté, ou pas, pour le métier. Il y en a certains, tu te demandes ce qu'ils foutaient là, et l'autre, tu te dis, bon, c'est des animateurs nés. Donc, les points forts, j'ai formé, ce qui était très important. J'ai appris, et ça m'a amélioré au niveau de ma formation, au niveau de comment je pouvais faire. Les points faibles, c'est que j'étais trop dans la mentalité d'enseigner, donc ça a niqué tout, parce que j'avais un cadre trop formel. Et j'ai du mal à caler mon ton entre un ton amical et solennel, et ça aussi, ça a été un problème. Ça a été un véritable problème quand j'ai été formateur. Donc voilà, j'ai été formateur aussi, j'ai été animateur, animateur séjour adapté, animateur maternel, en primaire, j'ai fait des séjours, séjours adaptés, j'ai fait de l'animation en centre, voilà. Donc en conclusion, c'était une carrière de 2 ans, une carrière météorique, j'ai à peu près tout exploré et j'ai été dégoûté de ce métier. C'est vrai que là, faut en avoir la passion, moi je l'ai vraiment fait comme un palliatif. Je me suis dit, je peux pas enseigner, donc je vais animer, au moins je vais être avec les gosses, je vais faire des choses, ça va être intéressant. Mais non, 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 ça demande véritablement une passion et un amour que je n'avais pas. Mais bon, ça a quand même été formateur, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens, je me suis éclaté. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Like, partage, abonnement, financement participatif, tu connais la chanson. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!